Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti pour tester le Shadowbox, ça y est, il est sorti sur les serveurs officiels et on a pu le lock, très très rapidement, les petits tips comme ça sur le Twitch game, bien évidemment, puisqu'on est dans l'émission Midi en vrac, tous les midis de midi à 14h, on fait généralement une heure de smite, c'est là que j'essaye de faire mon record pour la journée, et ce record aujourd'hui, ça sera Tchernobog. On joue bien évidemment face à un Loki, mais oui, mais bien sûr, bien évidemment, il y a des Loki partout. Nous, on a Fat Loki, c'est-à-dire le nouveau skin Capracat qui est plutôt stylé. On dirait vraiment Loki qui a mangé un petit peu trop de soupe. Donc voilà. Ensuite, on est parti Tchernobog, Tchernobog Transcendance, bien évidemment. Tchernobog Transcendance, what the fuck, Tchernobog Transcendance, j'ai dit. Transcendance, et ensuite des potions. Alors, à votre avis, combien de fois allons-nous mourir à cause de Loki dans cette partie? En tout cas, on va essayer de voir. Alors, je sais absolument pas jouer le personnage, mais je connais le kit de sort, j'ai à peu près compris. Après, je dis pas que ça va être ouf, mais il peut se téléporter, donc ça va être pas facile, parce que Loki plus Chernobog plus Serket, ça va être difficile de pas mourir de l'un des trois. Parce que si je suis l'eau, il va essayer de me choper. Alors, bien évidemment, le 3 ne sert pas à grand-chose sur cette map, hein, forcément. Allez, on fait le bleu pour Scylla, ensuite on fait le rouge pour je sais pas qui, Nuwa ou Cabrican, et ensuite on fait le purple pour Bibi, pour moi. On a déjà un AFK? Oui, on a déjà un AFK. Ça commence bien. Ah oui, carrément. Attention, Carbacad. Au revoir. Et ça y est, le Thanatos est là. Oh, bah c'est dommage. T'es un peu en retard quand même. Non? Non, ça va. Bon, comme on l'avait pensé, hein, c'est déjà un très très bon dépêcheur, ce personnage. J'ai mon ulti. Elle avait envie de mourir, la Nuwa, et bah elle meurt. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Oh, ils sont pas contents mes teammates, hein. Ils ont pas envie de mourir. Et boum. Ouais, c'est pratique. C'est pratique quand même, c'est fort. Vas-y petite Scylla, on va y arriver, t'inquiète pas. Et boum. Et boum. On n'a pas du tout les golds qu'il faut, mais on va revendre un petit peu pour avoir ce qu'il faut. Transcendance, c'est parti. Utiniwa. Pomme. Allez, dégage, Loki. On t'aime pas, on t'aime pas. Oui, on t'aime pas. Bon, allez, je pourrais tenter un ulti chelou. D'accord. Faut faire attention quand même. Salut! Ouais, je tente, hein, mais l'animation est lente quand même, hein, c'est pas une téléportation instant. Sur ce petit Loki qu'on voulait essayer de se venger. On a bien fait de pas le tuer parce que sinon il nous aurait focus toute la partie. Non mais Thanatos, tu pourrais arrêter d'être AFK. Allô? Faut jouer, hein. T'es dans un jeu vidéo, faut jouer. Ouais, fonce pas non plus. Ah oui, ah oui, oh, là, ça, il était vraiment passé pas. Elle est vraiment passée pas très loin là. Mais ils sont partis fight, vraiment. Voilà, ils sont morts. Je crois qu'on est sur un Thanatos qui fait du mieux qu'il peut. Hein. Oh, la Scylla qui est en train de prendre cher. C'est bon, elle s'en sort. Au secours! Ouais, ça fait un peu... C'est bon, elle a raté. Au secours! Closet Smite, désolé. Ah, il a fermé Smite. Oui, bon... À un moment, faut jouer, mon ami Thanatos. Hein. Faut jouer. Ça peut être bien. Tu peux voir, tu verras, c'est bien. Ouais. Oh là, mais ils fightent tous comme des débilos. Je comprends pas ce qui se passe. Ah, j'avais réussi à toucher le mur, c'était pas mal. Moi, je sers à rien. Moi, je me mets en petit mur dans le sol, c'est pas mal. Boum. Dommage. Oh, c'est pas mal. On a réussi à toucher à l'aller. Je sais pas ce qu'il a avec Abrakan avec son émoïte, là, il est content. J'ai voulu tirer en deux, est-ce que ça vaut le coup? Non, on va pas mettre des points. Oscar! Non, mais ils veulent tous mourir trois fois! Oui!
Ah si, il est ulti. Bon, il a pas l'air de roxer autant. Il a l'air de roxer autant que moi, le Chernobog. Il a l'air d'être aussi fort que moi sur le personnage. Bon, il a fait le kill. Ah, il a 2-1-2, il est fort. Au secours. Salut. Oh, mais alors, c'est n'importe quoi à chaque fois, le mec. Non, il y a... J'ai fait nimp aussi. J'ai fait nimp. Pourquoi je suis resté? Pourquoi je suis resté? Quel débilos. J'aurais pas dû rester. J'aurais pu survivre en fait. Mais j'ai voulu essayer de faire des dégâts. Bon, après, le mec est un gros noob sur Loki. Puisqu'il a ulti. On le sait très très bien. C'est pas comme ça qu'on joue Loki. Hein, je vous montre la vidéo. Il faut pas ulti sur un mec Kelo. Il faut essayer d'y aller avec son flash ou d'y aller avec son fufu. Mais t'as pas besoin d'y aller avec l'ulti. L'ulti c'est pour enchaîner une deuxième fois sur une deuxième personne. Ah, c'est un Loki qui a up son decoy en plus. C'est un très bon Loki d'arène. Bah, retombe dessus. Pouah. Quoi ça sert de jouer à DC cette saison quand les mecs ils burst autant? Tu mets des petites autos à 150, eux ils font des sorts à 300. T'es là, ok, d'accord. Yeah. Ah oui, très bon Loki là, on admire. Merde, j'ai pas le mal lancé dans le bon sens. Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu. Pénétration, non drain de vie. Gantley Devourer, c'est parti. J'arrive, attendez-moi. Je peux ulti, c'est vrai. On peut le tenter. Non, vous fightez pas, donc ça vaut pas le coup d'ulti. Je vais avoir tout le monde contre moi, donc c'est pas terrible. Puis la serquette est un sort avec pas mal de mobilité, donc... Bon. Ouais, j'ai cru que c'était Loki qui était là. Au secours! Bien joué. Oh, pff, tu triches aussi. C'est pas gentil de tricher. Bonjour! Bonjour! C'est moi! Ça servait à que dalle, on aurait pu l'économiser. Au secours! Bon, max ulti maintenant. Bon, max 3. Vitesse de déplacement bonus. Oh, c'est quand même pas mal. Réduction des dégâts. J'aurais peut-être pu mettre des points dedans. Ouais, des points dedans. Gantley du dévoreur. Et maintenant, il nous faut de la pénétration. On aime la pénétration, c'est bien. Hop, l'égide, c'est parti. Bien joué. Laisse-moi stack. Boom. Merci. Putain, ça dépêche. Merci, quel talent. Merci, merci. Au secours. Et le Kamrakan, il s'amuse. Hein. Il aime vraiment... avec son émoticône, avec sa danse, là. En chelou. Ouais, si là, t'avais envie de mourir, là, quand même. Parce que t'es quand même... Salut. Salut. Je l'ai slow, comme ça. Au secours, il y a un Rama qui veut te défoncer le cul. T'es prête? Il va sauter. Il va sauter. Non mais... Mais qu'est-ce que tu foutais à rester caché? T'aurais pu continuer à avancer? Non? Je sais pas. Pourquoi il s'est caché dans son fog? Je sais pas. Il est où le Loki là? Viens. Loki, il y a Serket, il y a un milliard d'assassins. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, avec mon pauvre ADC? Elle a disparu! Attention, il y a un Loki quelque part, on sait pas trop, mais il y a un Loki. Tu le vois? Tu le vois plus, l'ennemi. Wow. J'ai envie d'ulti, mais... Ah, j'y vais. Ah, bah, même pas besoin. Pouah.
Pouah, bien joué, je sers à rien, mais c'est pas grave. J'ai mon sort dans une seconde. Ah, j'ai raté. Triple kill, voilà. Quadra kill, voilà. Il joue Thanatos, quoi. Enfin, il joue Thanatos en arène. Il y a des gens qui ont pas d'âme. Bonjour. Il y en a qui jouent Cabracan en arène. Mais vous voulez que je serve à quoi dans cette partie? Je suis un ADC dans une méta où tu tues les gens en deux coups. Donc bon, ça sert à rien ADC cette saison. Alors je déconne, en conquête ça sert, mais en arène... En arène c'est chelou. Hein. Essayer de mettre des autos. Attention. Il va me défoncer. Et maintenant, hop, hop. Stun-le. Et boum, une fois qu'il est stun, ça. Parce que... Bonjour. Bonjour, Serket, bonjour. Raté. Paf dans ta tronche, le Loki. Boum, je suis dans le mur, j'essaye de te finir, mais j'ai pas réussi. Et oui, parce qu'on peut finir quelqu'un, il se sort. Moi, je prends plutôt Tchernobok comme un mage, c'est vrai aussi, je joue peut-être pas trop comme un ADC. Rout. Regardez, non mais je fais pas de dégâts comparé à mes alliés, quoi. C'est dégueulasse. Augmenter les dégâts de Tchernobok. Je déconne. Bon courage pour la partie. Bon, ça va bien. La game. Ouais, ça rage kit en face. On est trop fort, c'est pour ça. Maintenant, on va faire du crit. On va faire du crit parce que nous aussi, on a envie de faire des dégâts quand même. C'est un peu dégueulasse. Nos alliés, ils cheatent un petit peu, quoi. Oula. Arrête, sortez-moi! Ah merde. C'est vrai que ça route, ça. Ouais, je fais attention quand même à la tronche parce qu'il va aller sur le Cabracan. Merde, mais je l'ai fait dans le mauvais sens, mon truc, mais non! Faut qu'on aide. On va pas réussir à aider. Faut qu'on aide. Il faut pas qu'on meure. Pardon, au secours! Non, j'ai rien demandé, j'ai rien fait! J'arrive, je vais retourner au spawn et là je fais comme Athéna, regardez. Je le dis! Pardon, je voulais pas faire ça! Mais c'était au petit, regardez la technique de ouf! Regardez la technique de malade! Le mec, il est allé dans le spawn adverse et je suis pas mort! Et derrière, je vais chercher la Serket. Ce perso est pas du tout opti, est pas du tout cheaté. Ce perso est tout à fait fine. Elle a rien compris, la Serket. Elle croyait que j'allais me téléporter sur elle. Mais non, je me suis téléporté sur un gars du spawn pour ensuite tuer la Serket. Meilleur move ever du game. Meilleur move ever du game. Le perso est pas cassé du tout. Hein. Non, non. C'est tout à fait normal de pouvoir faire ça. Hop, hop. Ah, je peux que là. Attendez-moi. Parce que... Attention. J'ai mon ulti dans 5 secondes, on peut le refaire. Non, je vais pas trop m'avancer, c'est que ça reste quand même des persos qui me tuent très très vite. Hein. Voilà. Parce que... Voilà. Deicide carrément.
Ça reste des persos qui nous tuent très très vite. Hein. On l'avait dit un petit peu. Est-ce que j'ulti là? Non, peut-être pas quand même. Faut quand même se méfier. C'était étonnant d'être mort qu'une seule fois dans cette partie quand même, vu la compo. Bon, ils ont un AFK en face. Mais je pense qu'on aurait gagné quand même, parce qu'on s'en sort quand même avec beaucoup plus de kills. Mais voilà. Fais attention. Faut pas trop s'avancer, hein. On est fragile. La serquette qui prend très très cher. On tente. Pas besoin. Ah, on voulait tenter l'ulti. Malheureusement, c'est pas passé. Et bah, Chernobog, un personnage intéressant. En tout cas, je pense avec une bonne maîtrise, on peut faire des trucs de ouf. Hein. Je pense que ça va être assez frustrant pour l'équipe adverse, les trucs qu'on peut faire avec ce truc. Parce que vu qu'on peut reset tous nos sorts avec l'ulti, c'est quand même très très fort. Hein. Tu fais 2-1. Non, tu fais 1-2. C'est pour ça que je me ratais souvent, parce que je faisais 2-1 souvent. En fait, il faut faire 1-2. Tu fais 1-2. Et ensuite, tu fais ton 3 si tu as besoin pour chase l'adversaire. Ensuite, tu ulti, tu retombes dessus, tu peux refaire ton 3, tu refaire ton 1, ton 2. Donc, c'est vrai que c'est un peu fort. Mais je pense pas qu'on ait fait beaucoup de dégâts. Hein. Voilà, 9000 de dégâts. Voilà. Hein, Même, de toute façon, on n'a pas fait beaucoup de dégâts. Hein. 10, 16000, 25000 pour une arène, c'est assez faible. Hein. 3000 de dégâts, le Kukulkan. Il a fait vraiment mal. 0-0-6. Il était là qu'au début, après il s'est barré en fait, je pense que c'est lui qui a crash. En tout cas, game intéressante, c'était vraiment cool. Le personnage est intéressant, je pense. Je pense qu'il faudra que vous le fasse. Je vais sans doute vous le faire en conquête. Ça commence par un T, donc normalement, j'aurais dû vous déjà... Ouais, je vais vous faire un ZA, je pense, Chernobog en conquête. Mais ça a l'air très très fort. Gestion de lane facile, escape pas mauvais, mobilité, vitesse d'attaque... Enfin, le personnage est pas difficile à build. Hein. On aurait pu prendre un petit peu plus de vitesse d'attaque, genre on peut faire l'Asie à la place de ça, mais j'aime bien le double stack parce que c'est vu que le gantelet est à la mode et que la transcendance, moi je trouve ça pas dégueu. Bah, je fais les deux en fait. Voilà. Et ben j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et surtout le petit truc. Je me suis complètement fail, je me suis téléporté dans la base adverse alors que je voulais aller sur la serquette. Mais justement, ça m'a permis de la tuer parce qu'elle ne savait pas où j'étais. Si je l'avais été téléporté sur elle, et ben finalement elle aurait utilisé un de ses sorts de mobilité. Hein. Serquette, ça bouge tout le temps, c'est très difficile. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo de Smite. Ciao !